Alors c'est bon, est-ce que vous m'entendez bien? Alors tout va bien, vous les connaissez, je les présente pas, hein. Jean les présentera tout à l'heure, allez. Vous êtes prêts, monsieur Martini? Bernard, c'est bon, on y va? Chômeille tout entier être en fête, chacun se prête, se le vola. Jean Séguerel offre à un public innombrable une admirable page de sport. Tout le pays, tout est puits et le village change de visage, se le vola. Voir pédaler tous les grands as qui s'y engagent. Ah oui, vraiment, cela vaut le déplacement. Tu roules pour les champions, tu roules devant la foule sous un tonnerre d'acclamations. Bol d'or des Malédières, de ton gagner la gloire d'une victoire. Ici n'est pas à dédaigner. Les champions qui roulent devant la foule sous un tonnerre d'acclamations. Bol d'or des Malédières, les plus grands ont gagné la gloire d'une victoire. Ici n'est pas à dédaigner. La 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 la. À vous. Maria, une fille sage, est entourée de garçons. Mais le beau Jean-Pierre, la prenant dans ses bras, lui tourne la tête et lui chante tout bas. Oh Maria, quand je danse avec toi Maria, cette valse en soleil, mes souvenirs d'amour. Je revois l'instant si doux où tous deux, assis sur le vieux banc de pierre. Tu sentais bon notre bruyère.
je me suis mis à genoux, comme on fait une prière. À l'abri des pommiers, j'ai pris le premier baiser. Oh Maria, quand je danse avec toi Maria, chantant sa ritournelle, je t'aimerai toujours.
laisse-moi te parler d'amour, te raconter mon plus beau souvenir, blotti dans mes rêves d'enfant. C'était l'année de mes 15 ans. Corse, la belle et ton ciel bleu, vous étiez toute ma richesse. Un paradis si merveilleux qui a baissé ma jeunesse, j'étais le plus heureux. C'est vers toi que je reviens chanter encore. Bella, bella Corsica, oui, je t'adore. Tu es l'étoile qui brille nuit et jour. Bella, bella Corsica, c'est pour toujours. Quand le soleil brûle en été sur la plage de mes vacances, comme une éternité le vent gonfle la voile du bateau blanc. Il reste vivant tes oiseaux, messagers portés par les vagues, autant de milliers de cadeaux planant par-dessus les algues pour se mirer dans l'eau. C'est vers toi que je reviens chanter encore. Bella, bella Corsica, oui, je t'adore. Tu es l'étoile qui brille nuit et jour. Bella, bella Corsica, c'est pour toujours. Oh, bella, bella.
très fort, merci beaucoup. Étoile de mon édier, étoile de Ségurel, veille sur ce coin de terre où la vie est douce et belle. Étends-toi dans la bruyère, regarde là-haut dans le ciel, brillante elle nous éclaire. Étoiles de chemin. Eh oui, nos deux étoiles de chemin, elles ne seront jamais mortes, elles seront toujours là dans notre cœur pendant des années et des années. Oui. On y va. Au Paris Corrèze, viens voir les champions de la bicyclette et de l'accordéon, de la capitale jusqu'au Vendée. Viens, c'est fort. La France, il attire les accros du vélo, et sous le soleil les vacances, les vainqueurs mouillent le maillot. On y va au Paris Corrèze, viens voir les champions de la bicyclette et de l'accordéon, de la capitale jusqu'au Monédier. Viens, c'est formidable au Paris Corrèze. Courir de vrais talents qui garderont toujours pour image la montée du col des géants. On y va au Paris Corrèze, viens voir les champions de la
bicyclette et de l'accordéon, de la capitale jusqu'au Monédien. Bien, c'est formidable, au Paris Corrèze. On a tous au fond de nos mémoires les plus belles années du bol d'or. Fignon et Poupou criaient victoire, Ségurel donnait le départ. Au Paris Corrèze, viens voir les champions de la bicyclette et de l'accordéon, de la capitale jusqu'au Monédien. Viens, c'est formidable, au Paris Corrèze, ensemble. Soleil couchant, le pâtre joue sur sa flûte enchantée, des airs qu'il a composés dans les champs. Chante, chante ma musette, la chanson de mes plus beaux jours. Les plus hautes montagnes d'Auvergne, le joli pays de mes amours. À l'ombre des châtaigniers et des vergnes, je voudrais vivre toujours, toujours. Quand son troupeau regagne la vallée, pleine de soleil couchant, le pâtre joue sur sa flûte enchantée, des airs qu'il a composés dans les champs. Chante, chante ma musette, la chanson de mes plus beaux jours. Allez, c'est parti, on y va. Thank you.
belle des fermes du Mexique. Elle n'a qu'une légende, elle n'a qu'une musique, c'est celle des oiseaux. Venez, venez dans mon rancho, c'est le plus grand, c'est le plus beau. Venez, venez, bébé, rentrez. Venez, venez, rancho grande.
soir je m'en vais par les monts d'Auvergne. Avec mon cœur d'enfant, retrouver les amis, les filles et les garçons, tous ceux que j'aime, les vrais copains de mon pays. Ce soir je m'en vais par les monts d'Auvergne. J'en connais qui m'attendent pour saluer la vie. Pensez et pensez les joies, les peines. Allez jusqu'au bout de la nuit. Ce soir je m'en vais par les monts d'Auvergne. Moi j'ai pris rendez-vous au soleil du printemps, avec tous les troupeaux et les bergères, les fiancées de mes 20 ans. Je m'en vais par les monts d'Auvergne. Moi j'ai pris rendez-vous au soleil du printemps, avec tous les copains et les bergères, les fiancées de mes 20 ans. L'accordéon, la musique du pays, la danse
blé sur notre terre. On se tourne à la roue du moulin. Nous irons faire la fête à la Mazière. Nous irons faire la grande fête du pain. Comme autrefois au temps de nos grands-mères. La veille au soir, nous mettons le levain. Et dans la grange, on dansera sur l'air. Même en chauffant le four de bon matin. Et nous mettrons tous la main à la pâte. Car nous aurons bien du pain sur la planche. Nous y ferons de soyeuses agapes. En dégustant notre bon pain de pain. Ce sera fête dans tout le village. Venez profiter des réjouissances. Venez de soucis et des embouteillages. Venez, c'est nous de la bonne papa. Quand les cabrettes sonnent en novembre, l'accordéon résonne en Corée. Les oiseaux se montent en l'éveil. Pour danser c'est mieux que la Marseillaise. La route tournée dans nos campagnes. On danse le folklore comme avant. Tous les samedis dans nos petits bars. Y'a de l'engrais comme au bon vieux temps. Allez. Folklore comme avant, tous les samedis dans nos petits bars, y'a de l'entrain comme au bon vieux temps. Jean-Noël Buge à la guitare. Quel talent! Dans nos villages qui sentent bon la vie. Voulons chanter notre douce campagne. Je viens d'écrire cette simple chanson. En y mettant l'écho de nos montagnes. Pour faire un cœur qui monte à l'horizon. Au-delà des bruyères,
vous la donne, amis de tout pays, en espérant enfin pour toute la terre autant de paix qu'il y en a ici. Des prairies vertes et des sources limpides, 100 000 oiseaux pour vos 4 saisons, des gens sincères à l'amitié solide, des soirs tranquilles au calme des maisons. Allons chanter au-delà des brouillards, même si nos rires n'ont pas un grand pouvoir. Il se pourrait qu'au-delà des frontières, quelqu'un l'entend et y trouve l'espoir. Et si c'était le vol de la colombe, ces 3 couplets qui nous viennent du cœur, ça deviendrait à l'autre bout du monde un lien d'amour, notre bruyère en fleurs. Allons chanter même si nos rimes n'ont pas un grand pouvoir, il se pourrait qu'au-delà des frontières, quelqu'un l'entende et y trouve l'espoir. Et si c'était le vol de la colombe, ces 3 couplets qui nous viennent du cœur, ça deviendrait à l'autre bout du monde un lien d'amour, notre bruyère en fleurs, l'hymne d'amour de la bruyère en fleurs, l'hymne d'amour de la bruyère en fleurs. Un succès de l'immense Sébastien Farr, vous pouvez l'applaudir très très fort. J'aperçois, je pose mes valises, je suis chez moi, dans mon petit village, mon cher pays, le plus bel héritage que m'a donné la vie. Tantôt dans la misère, où le compte, ici c'est une aubaine d'être entre nous. Je connais l'adresse à vous confier, m'attendra ce jour là-bas, se réfugier. Je suis fille d'Arverne, mais j'ai le cœur gaulois, les deux pieds sur la terre comme les Auvergnats. Pareil à ma grand-mère, je connais le patois, je suis têtu et fière car j'ai le cœur gaulois. C'est un bon pot de pierre, un vieux château, une croix millénaire près d'un troupeau, une rivière qui chante entre les blés, un chemin qui serpente la route des bergers. J'ai mon bâton, ma chaîne et mon manteau, avec ma canadienne et mes sabots. Puis je pars en voyage dans mon pays, j'ai des grands plaisirs, des croix et des amis. Je suis fille d'Arverne et j'ai le cœur gaulois, les deux pieds sur la terre comme les Auvergnats. Pareil à ma grand-mère, je connais le patois, je suis têtu et fier car j'ai le cœur gaulois. Dans une église que j'aperçois,
pose mes valises de chez moi, dans mon petit village, mon cher pays, le plus bel héritage que m'a donné la vie. Tantôt dans la lisère, nous le comptons. Ici c'est une aubaine d'entre nous. Je connais une adresse à vous confier. Ma tendresse un jour là-bas se réfugier. Je suis fille d'Arverne et j'ai le cœur gaulois. Les deux pieds sur la terre comme les Auvergnats. Pareil à ma grand-mère, je connais le patois. Je suis têtu et fière car j'ai le cœur gaulois. Paris Marlou, les yeux de fille, dans l'air filou, Billy, Billy Guedon, accordéon, ça fait pas drôle, mais c'est si bon. Des gigolos, tu les habilles, sous le métro, et la Bastille, pour se saouler, à tes jupons, ça fait gris. Je porte un secret d'état, du tape, qu'on merveille toutes saisons. Ça fait l'oseille et c'est si bon. Il est la croix, mais vers l'envers. Ça fait des mois qu'ils sont ouverts. Alors c'est là pour une raison. Elles sont méga, mais c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent. T'as pas d'amis dans la police. Dans ton corps singe, du lion, tu n'es pas singe. Mais c'est si bon, œil de savon, pour la chronique, t'as sur un bon, pour la tactique, un petit coup sec, t'as bien raison, ah c'est copé, sinon t'es bon. Ah la 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 la, trois pines, c'est verrait mieux, la toute dernière édition, y'en a la guerre, mais c'est si bon. Ah la la guerre, ah la la rien, des gangsters à la mi-temps. Vous êtes à droit pour faire carton, la prochaine fois tu sautes des dons.
Merci beaucoup, Anne.
infernal. On peut les applaudir encore une fois. Ils le méritent. J'ai vu bondir les chutes du Niagara et j'ai eu des plaisirs de voir. J'ai admiré les merveilles du monde, même la vie vagabonde assez. Il est un coin où mon cœur me promène, beau comme une aquarelle jardin. Un coin de France où l'on aime, où l'on danse, y vibre, c'est, je le pense, une chance. Mon Aveyron, je veux revoir ma terre, ses grands espaces pour d'eau. Ses lumières, comme un fleuron dans sa ville flamboyante, le clocher de Rodez aux enchants. Mon Aveyron, je veux revoir ma terre de Millau à Rodez, les belles Aveyronnaises, et surtout celle qui attend mon retour, celle que j'aime un peu plus chaque jour. J'irai revoir les sites de Belcastel, chemin de Compostelle, l'histoire me parlera des cités du passé, de ces peureux templiers d'alors. Dans mon pays, il est plus d'un trésor, mais le plus beau encore, c'est toi. Soif d'authentique, soif de beauté magique, du rouergue au cinobre, j'adore. J'irai revoir ma terre, ses vallées, ses canyons, ses grands lacs, ses rivières. Tout recommence car enfin j'ai la chance de t'aimer dans cet Éden de France. Mon Aveyron, j'irai revoir ma terre, m'accueillir de ses verts, de ses couleurs, ses ondes. Tout recommence car enfin j'ai la chance de t'aimer dans cet Éden de France. Clocher de Rodez aux enchants. Mon Aveyron, j'irai revoir ma terre de Millau à Rodez, les belles Aveyronnaises. Et surtout celle qui attend mon retour, celle que j'aime un peu plus chaque jour. Thank you.
merci beaucoup. Merci, merci. We'll be right back.
manadière, qui roule pour les champions, qui roule devant la foule sous un tonnerre d'acclamations. Bonheur des manadières, les plus grands ont gagné. .fr. Non. J'ai fait une erreur, mon échelon, la première fois. Point fr. En minuscule ou majuscule? Toujours les minuscules. Point toujours, fr, ouais. Minuscule. Voilà. Point dans fr. Google, si vous tapez Mélodirama, vous tombez chez nous. Ah, Google? Ouais, chez Google. Bah, je vais demander à Jean-Claude de regarder ça ce soir. Et Google, ça passe Internet? Google. Et je vous promets qu'on le met. Ah, voilà. Je vous promets qu'il sera dans le reportage. Pas chiche. Eh bien, on en reparle. Merci. Nous sommes le 2 août 2012. Et comme chaque année, cette petite commune paisible de la Corrèze devient l'espace d'une journée, le théâtre d'une grosse manifestation mêlant cyclisme et accordéon, le Paris-Corrèze. Cette aventure limousine était née le 7 août 1952 à Chaumeil, sur l'idée d'un homme de l'époque, Jean Ségurel. Le bol d'or des monédières permettait aux coureurs professionnels de venir s'exercer sur un circuit aux nombreuses difficultés pour le plaisir des passionnés de cyclisme, leur offrant un spectacle incomparable. Déjà, à l'époque, le bol d'or déplaçait les foules, comme le prouvent ces images de Roland Manoury, ici en 52, avec la victoire de Jean Robic. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oh, beaucoup de choses. Mes tout débuts dans la carrière de professionnel, j'ai fait le bol d'or des monédières en 56, la première fois. J'ai fait 5e et j'étais très heureux puisque Bobet avait fait 6e. D'ailleurs, Claude Louis l'a très bien rappelé. Il avait dit, tiens, on a été emmerdé par un petit con pendant toute la course. Puis après, j'ai réussi à en gagner 2 par la suite. Mais je me souviens, mes premiers bols d'or, il y avait la villa Ségurel. Je n'avais pas accès évidemment à la villa, puisqu'il n'y avait que les vedettes. Mais quelques années après, j'ai pris ma revanche. Cela fait 60 ans, 60 ans, et l'émotion est toujours au rendez-vous de Chaumeil, dans ce petit village au cœur d'une terre qui a beaucoup apporté à notre pays. Et c'est vrai que lorsque Jean Robic, Biquet, vainqueur du Tour de France, du premier Tour de France après la Libération, s'imposait sur ses routes, c'était une légende qui commençait. Et André Malraux disait « Un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir ». Alors aujourd'hui, je suis certain qu'à notre ami Jean Ségurel là-haut, dans l'Empyré, parce que là, c'est là que sont les dieux de la musique et il en fait partie incontestablement, il doit être fier en attendant le son de Bruyère des Monédières avec tous ses accordonistes qui poursuivent cette légende. Et vous tous qui contribuez à la poursuite de cette fête, vous pouvez être fiers de porter cette espérance. Il faut se dire aussi que s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a point d'inespéré. Merci. Aujourd'hui, par une succession de péripéties, le bol d'or des monédières a cédé sa place au Paris-Corrèze. Et la boucle de la petite reine, comme disait Jean Ségurel, est restée. Avec elle, l'accordéon, mais aussi et surtout, une ambiance incroyable. En
parle de lui dans toute la France. Oh non, là, il y a une belle tablée. Hein. C'est une tablée de Charentais. C'est une tablée de Charentais. On est expatriés, là. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui, là? Est-ce que c'est l'accordéon, oui, ou est-ce que c'est le vélo? Les deux. On aime beaucoup l'accordéon et le vélo. C'est magnifique. Il y a une très belle organisation. Ils sont très gentils. On est là, on est bien avec ces paysages l'ambiance qui est assez chaleureuse. Jean-Cy Gurel, c'est un ami. C'est notre souvenir de jeunesse, c'est toute notre jeunesse. Donc on a commencé à vivre à Chaumet, Jean-Cy Gurel. Au Paris-Corrèze, viens voir les champions de la bicyclette et de l'accordéon. De la capitale jusqu'au Monédière, viens, c'est formidable au Paris-Corrèze. Quand j'étais jeune, je dansais pas, mais j'allais voir Ségurel au bal et je le regardais pratiquement toute la nuit. En cet été 2012, tout avait commencé quelques jours plus tôt avec l'inauguration du musée Jean Ségurel. Un musée qui avait enfin pris sa vraie place à Chaumeil dans une salle spécialement aménagée à la Maison des Monédières. Aujourd'hui, nous sommes réunis à la Maison de Pays des Monédières à Chaumeil pour l'inauguration de l'exposition sur la vie et l'œuvre de Jean Ségurel, célèbre accordéoniste natif de Chaumeil et des Monédières. Mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue à Chaumeil. Je voudrais saluer ici les enfants de Jean, Janine et Alain, nos voisins, les conseillers généraux, docteur Daniel Chassin et Christophe Petit, déjà. Et je voudrais saluer surtout ici l'encyclopédie de l'accordéon, notre ami Roland Manoury. Je pense qu'un jour il faudra qu'on fasse un musée de sa maison, parce qu'avec tous les disques qu'il peut avoir dans son sous-sol. 60 années se sont écoulées depuis le premier bol d'or initié par Jean Ségurel, et 30 depuis qu'Alain Ségurel, son fils, a repris le flambeau. On pourrait penser qu'une certaine habitude s'est installée dans les discours d'Alain. Mais malgré les années, l'émotion reste intacte tant l'image du père est encore présente. Il y a 60 ans déjà, tu organisais le premier bol d'or des Monédières et tu célébrais le premier mariage du vélo et de l'accordéon. Aujourd'hui, tes amis sont rassemblés à la Maison de Pays des Monédières pour inaugurer l'exposition qui retrace ta vie et celle d'Anna, ton épouse. Des milliers de spectateurs sont venus applaudir les champions de la Pitraine et rendre hommage aux pères et aux mécènes des bols d'or de 1952 à 1967 et à l'homme au grand cœur. Vas-y Ségurel, ton accordéon, un mogin bien sûr, fait fleurir les bruyères, éclater les châtaignes dans leurs bogues, danser les filles et les garçons. Ségurel, le troubadour, te voilà esclave de tes fans. À Chaumeil, même si tu n'es plus là, tu flottes en surimpression sur ton village et sur les Monédières. Reste avec nous, Ségurel, reste le chantre de notre Corrèze, que l'âme que tu as su mettre dans ton piano bretelle soit toujours parmi nous. Jean, ne serais-tu pas l'inventeur du vélo à bretelle? Je pense que oui. Et pour terminer, je voudrais remercier M. Clara pour un document que vous allez voir qui a été déposé à l'exposition hier dans la journée. Un magnifique document, et aussi un merci à M. Perra de Trégnat qui vous fera voir tout à l'heure pendant le pot le diaporama qu'il a réalisé sur Jean Ségurel. Merci à vous. Et le souvenir de Jean Ségurel est partout
chez tout le monde. Ah ben Jean Sigurel, ça a été le type formidable. C'est lui qui m'a tout appris. Il m'a appris la première gamme, la gamme main droite, gamme main gauche. Et après, ben, j'ai essayé de faire comme lui. Mais on ne peut pas toujours être une grosse vedette comme Jean Sigurel. Voilà mon morceau. Il y a Corrézien, le retour au champ, au mariage, bol dans le monétaire et tout ce qui s'ensuit. Ben, je crois que Jean Sigurel et sa femme Anna, c'est eux qui ont modelé le beau de Chaumeil. Le beau actuel, c'est eux qui l'ont dessiné. À l'époque où Madame Sigurel était maire de Chaumeil, elle a été maire pendant, je crois, 18 ans. Vous voyez ? Et Jean Sigurel était derrière pour lui donner des conseils, quoi. Moi, j'étais gamin, et puis bon, il y avait une manifestation à 10 km de chez moi, j'y venais comme ça, quoi. Vous voyez du monde, c'était une sortie. Et il y a beaucoup de gens qui sont encore qui se souviennent de Jean Sigurel, puisque le musée Jean Sigurel, tel qu'il était installé précédemment, recevait à peu près 10 000 visiteurs par an. C'est donc, ça a de l'intérêt pour beaucoup de gens. Donc on a voulu conserver, remettre à niveau cette expo par des moyens, des supports un peu plus modernes, un peu plus clairs. C'est tout, mais bon, ça a toute raison d'exister, cette bonne raison d'exister, je vous dis. Et puis l'héritage de l'accordéon, il y a beaucoup d'accordéonistes encore sur le secteur. Le musée Jean Sigurel se visite maintenant toute l'année à la maison des monnaidières de Chaumeil. Tu vas le voir chez lui. C'est la meilleure solution. Mon t-shirt est taché. qui tourne qui fait un DVD sur la journée du Paris-Corrèze. Voilà, ben maintenant, messieurs, merci. Parce que là, voilà. Là, on voit bien. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas eu le droit pour la vie. Non, mais bon. Je pas assez de... Demain matin, 7h30, je le Vous l'avez compris, outre le fait qu'on sait qui c'est le chef ici, l'équipe du Bol d'Or des Monnaidières, c'est aussi des bénévoles qui, s'ils ne s'occupent plus de la course, Max Mamère Organisation ayant pris le relais... C'est pas notre rayon, ça. Ça l'a été autrefois. Autrefois, c'est une partie de l'organisation. C'est fini maintenant, on fait les marquages. Doivent tout de même mettre en place, pour le traditionnel gala, et tout ne se passe pas toujours comme on le veut. On est dans la merde. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici, là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Des petits ennuis de... Hein? Ça marche pas? On fait en bricole. Tu t'en mets un peu partout, tu vas les perdre. Tu vas perdre les ouais. Cambrioles. Comment ça se fait que ça marche pas? Non, on sait pas. On sait pas, il doit y avoir quelque chose à l'intérieur qui coince. Bien, ce problème résolu et quelques autres aussi, c'est dès 9h30 le lendemain que les musiciens de Mathieu Martini et les accordéonistes démarrent le grand gala. Un gala très varié et avec de nombreux artistes. Vous êtes prêts, monsieur Martini? Bernard, c'est bon, on y va? Le Paris-Corrèze, c'est aussi des intermèdes musicaux. Et bien sûr, la course. La victoire de la deuxième étape Objat-Chaumeil sera remportée par le jeune français Kenny Elissonde de la formation de la Française des Jeux. Le jeune coureur remportera l'étape au sprint dans la côte du bourg de Chaumeil.
Le grand vainqueur au classement général pour cette édition 2012 est l'Espagnol Egoitz Garcia de chez Cofidis. Il devient donc le 12e vainqueur du Paris-Corrèze. Voilà pour cette chronique du Paris-Corrèze 2012 et bon anniversaire au bol d'or des monnaies d'hier. Merci Monsieur Ségurel d'avoir transmis votre passion du vélo et de l'accordéon. Et merci d'avoir généreusement fait connaître Chaumeil, la Corrèze, le Limousin et votre région. Rendez-vous l'année prochaine. Si vous tapez Mélodirama, vous tombez chez nous. Ah, Google ? Ouais, chez Google. Ben, je demande à Jean-Claude de regarder ça ce soir. Et Google, ça passe Internet Google. Et je vous promets qu'on le met. Ah, voilà. Je vous promets qu'il pas chiche. Dans le pas chiche. Eh bien, on en reparle. Merci.